Le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang dans l'organisme à travers un réseau d'artères. Le flux sanguin exerce une pression constante sur les parois des vaisseaux sanguins, appelée pression artérielle. La pression artérielle est mesurée pour évaluer la puissance et le débit cardiaque, ainsi que la souplesse des vaisseaux. Plusieurs facteurs affectent la pression artérielle, dont le taux d'hormones dans l'organisme, la quantité d'eau et de sel, l'état du cœur, des reins, du système nerveux et des vaisseaux sanguins. La pression artérielle est étroitement régulée par des substances qui modifient le diamètre des vaisseaux sanguins. Élargissement pour augmenter le débit sanguin ou rétrécissement pour le diminuer. Et une élévation de la pression artérielle. Dans l'hypertension ou pression artérielle élevée, la pression artérielle demeure anormalement élevée. Laissée sans traitement, l'hypertension endommage le cœur et les vaisseaux sanguins en alourdissant leur travail. Ceci peut entraîner une insuffisance cardiaque congestive, un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, des lésions rénales, des anévrismes, voire le décès. Plusieurs facteurs peuvent causer une élévation constante de la pression artérielle, particulièrement ceux qui rétrécissent les vaisseaux sanguins. La fermeture des vaisseaux maintient une pression artérielle normale. La vérité, aujourd'hui, vous avez la chance de découvrir TASL-ICP, un vasodilatateur capable de donner du bien à votre cœur, de le protéger, de l'empêcher de mourir par crise cardiaque avant 100 ans d'âge. C'est un laboratoire qui l'a fabriqué. Allez à la pharmacie, vous allez voir les seringues de TASL-I. Allez à l'hôpital, votre médecin l'utilise, les seringues de TASL-I. Allez à la pharmacie, vous allez voir les médicaments de synthèse comme TASL-I Caron comprimé qui traite le palu. TASL-ICP existe juste pour déboucher les artères. Vous avez très mal à la poitrine. Mettez 10 plus de TASL-ICP sur votre langue.